Excel, il a des fonctionnalités très intéressantes aussi d'automatisme. C'est que si vous voyez ici, vous avez une option qui vous permet de dupliquer le contenu d'une cellule. Donc si je viens ici avec le 1, vous voyez par exemple, je prends vraiment le petit coin ici qui est vraiment sur le bord de la cellule et je tire comme ça, il va me recopier la valeur partout. Donc c'est pratique pour remplir un grand nombre de documents à la suite. Mais il y a quelques petites astuces. Donc c'est que si vous sélectionnez ici, plutôt que le 1, vous donnez un petit range. Par exemple, vous commencez une liste en tapant 1, 2, 3, etc. Sélectionnez les 3 et vous venez glisser ici. Eh bien, vous voyez qu'il va continuer la liste de façon logique. Et alors ça va être exactement la même chose si j'augmente l'écart entre les nombres. Donc ici, j'ai augmenté de 2 entre chaque. Il va aussi le comprendre, ben par exemple, pour les jours de la semaine. Donc voilà, ici, j'ai tapé lundi, mardi, mercredi, et il va continuer. C'est pareil aussi, si je continue un petit peu plus loin, ben c'est pas grave, il va détecter ça aussi. Donc vous voyez, il a bien fait le mix, et ça a fonctionné aussi, ben par exemple, pour les mois. Donc voilà, ça, c'est vraiment une petite fonctionnalité très pratique sur Excel. Ensuite, Si vous avez aimé la vidéo, activez le bouton de notification pour suivre les prochaines vidéos et partagez la vidéo autour de vous. Si vous avez aimé la vidéo, activez le bouton de notification pour suivre les prochaines vidéos et partagez la vidéo autour de vous.